Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur et rétablir. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouce bleu, partage. Vous venez d'écouter un peu deux morceaux. Voilà, il y a un morceau qui a sorti il y a plus d'un mois. Mais vous savez, comme la mère Klebaï avait quitté le coupé décalé et que je ne suis pas malheureusement chroniqueur de musique chrétienne. Donc ça m'est passé un peu inaperçu. Mais comme ça, dans mes balades sur Facebook, j'ai su tomber sur ce son-là et franchement, le son m'a parlé. Le son m'a vraiment parlé. Et puis, Maman Klebaï m'a vraiment, vraiment épaté. Honnêtement, voilà, c'est d'elle qu'on va parler dans cette vidéo-là. Et puis, on va parler aussi de Safari Le Bien avec son clash musical avec Ariel Chéné. Vous savez, on a connu Maman Klebaï dans la musique mondaine avec la musique coupée, décalée. Et franchement, hein. Elle chantait pas mal. Elle chantait pas mal parce qu'elle était beaucoup plus danseuse avec ses coups de rein, ses jeux de rein. En tout cas, c'était super, super belle femme et elle savait vraiment bien danser et elle chantait juste. Mais vous avez bien remarqué dans mon titre, j'ai dit que Maman Klebaï, mieux que dans le coupé décalé. Quand je vous dis Maman Klebaï, mieux que dans le coupé décalé, de vous à moi, vous pensez à quoi? Qu'est-ce que je veux dire en fait? Qu'est-ce que je vais exprimer? Je suis juste en train de vous dire clairement que pour ma part, hein, ce morceau de Maman Klebaï que j'ai écouté là, de l'ex-première dame du coupé décalé, parce qu'elle n'est plus du coupé décalé, donc elle ne peut plus être la première dame du coupé décalé, on est d'accord? Franchement, j'ai vu que c'était vraiment sa vocation, parce qu'elle chante nettement mieux là-bas que dans le coupé décalé, honnêtement. Voilà, elle chante nettement mieux. Je ne vous dis pas que dans le coupé décalé, elle ne chantait pas bien, mais en tout cas, je lui dis, sa nouvelle vocation lui va très bien. Voilà, moi quand j'ai écouté le morceau, j'ai dit, ah, Maman Klebaï a fait vraiment, vraiment, vraiment des efforts, hein. Elle s'est vraiment métamorphosée. Les notes sont justes, elle chante bien. Non, franchement, je ne pensais pas, je me disais, attends, avec les roucascas et tout ça, les roucascas désordonnés, les kiaï dans les morceaux. En tout cas, on va dire, vous savez que le coupé décalé, c'est un ensemble de beaucoup de bruit qui fait danser. Et un coup comme ça, aller dans un registre, il faut chanter différents couplets avec un refrain en français et un peu aussi en langue. Franchement, bravo Maman Klebaï. Voilà, comme j'ai dit là, depuis que tu as laissé le coupé décalé, je te suivais plus trop. Sinon, je suis toujours abonné à ta page Facebook, mais je te suivais plus trop. Et c'est seulement hier, je suis tombé sur cette vidéo là, sur ce clip là, et franchement, tu m'as épaté. Donc je dis pourquoi ne pas parler? Parce que je sais parmi vous qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup qui n'ont pas encore écouté le morceau du moment que Klebaï parlait normalement. Si elle était dans le coupé décalé, elle aurait eu plus de vues que ses vues actuellement. Je crois qu'elle a près de 172 000 vues. Et c'est vraiment quelque chose de costaud, hein. Pour ma part, c'est vraiment quelque chose de costaud. Malgré qu'elle est chantre maintenant, c'est à applaudir. Voilà. Donc, le titre de ce morceau-là, du moment que Klebaï, c'est J'étais eu. Donc, pour ceux qui veulent écouter le morceau de Maman Klebaï, pour comprendre ce qu'il est en train de dire, pour comprendre l'évolution musicale de Maman Klebaï, tapez dans la barre de recherche YouTube Klebaï, j'étais eu. Je pense qu'en miniature, c'est l'humoriste Agalawal qui est en miniature. Voilà. Allez écouter le morceau, allez lui donner de la force parce que, mine de rien, même si nous sommes de ce monde, nous ne faisons pas partie de ce monde. Voilà. C'est ce que certains versets bibliques disent, nous sommes de ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Vous comprenez un peu pour dire que c'est vrai qu'on aime écouter le coupé décalé, le zouglou, ces musiques contemporaines, mais nous sommes quand même enfants de Dieu. Et on croit en Dieu, donc par moments aussi, nous écoutons des musiques religieuses. Et je pense que ce morceau de Maman Klebaï, là, c'est un morceau à vraiment encourager, à partager. Voilà, il faut souvent partager les morceaux chrétiens, c'est très important. Il faut partager les morceaux chrétiens pour édifier certaines personnes qui ont les cœurs du noir. Que le cœur qui n'arrive pas à pardonner. Parce que dans ce coupé décalé, il y a trop, trop, trop de sorcellerie, trop, trop d'aigreur.
trop trop d'émissions, c'était gratuite, honnêtement. Voilà, donc je tenais vraiment, vraiment à souligner cela. Cependant, on parle maintenant de Safara Le Bien. Vous avez bien remarqué, au début, j'ai mis le morceau de Safara Le Bien et le morceau de Maman Claire Bailly. Vous avez bien écouté, hein? Il a vous dit une vérité. Le morceau d'Arel Chiné, son freestyle, parce qu'il a dit ce n'est qu'un simple freestyle. Voilà, mais apparemment, le freestyle est intéressant que beaucoup de tes morceaux, hein, Arel Chiné, c'est pas pour te t'attacher, mais c'est mon avis à moi. Ce freestyle, il était tellement lourd. Donc, quand tu nous dis c'est un simple freestyle, je pense que c'est un peu prétentieux de ta part. J'espère que tu feras mieux que ce freestyle-là parce que tu l'as servi vraiment lourd. Il ne ressemble même pas à un freestyle. Voilà, puisque tu nous as promis l'audio le 30 ou le 31, je crois. On l'attend patiemment. Mais ce que j'ai entendu là, parce que ça fait le bout de votre palabre, c'est parce que ça, vous avez un peu exagéré dans votre clash. Sinon, ça fera le dit. Le coupé décalé pur. Le coupé décalé, on sait que c'est une musique qui fait danser. D'après DJ Rafa, c'est pas pour réfléchir. Lui, il est fort dedans que toi. Et avec le beat que j'ai entendu là, ça va cartonner. Les amis. Je ne suis pas en train de mentir, pour ceux qui me suivent, ils savent. Comment ils annoncent quelque chose comme ça là? On appelle ça l'oreille musicale. Quand tu écoutes quelque chose qui est bon, quand tu écoutes quelque chose qui a venu faire tache d'huile, ça chauffe pas. Tu sais, ça va cartonner. Écoutez encore le beat et puis on revient. Écoutez encore la petite partie là et puis on revient. Ah, vous-même, vous avez bien écouté, hein? On connaît sa parole, hein, ses morceaux. Voilà. Il a eu des morceaux ici, Léi, Woyo Woyo, quand ça a commencé, on a critiqué un peu, mais franchement, ce sont les morceaux qui nous ont fait danser dans des discothèques en Afrique ici et en Abidjan. Donc, je pense pour ma part que ça promet. Donc, Ariel Chide, il faut encore t'apprêter. Voilà. Je vous ai servi ce beat-là, je vous ai partagé ce beat-là. Vous vous dites que ah, je pense que la réponse de Safari Le Bien, pour ma part, hein, sera vraiment de haut. À la hauteur, quoi. Je pense pour ma part. Voilà, maintenant, je sais que les fans d'Arel Chiné trouvent que l'Arel Chiné va plier Safari Le Bien. On regarde bien, c'est le game, hein, c'est le game, nous on vous regarde. Parce que c'est bien beau de penser que son artiste est le plus fort que tous les autres artistes, mais il y a la réalité qui est là. Parce que ce que vous devez savoir, un artiste est encore plus heureux lorsqu'il se retrouve en boîte. Et on fait plusieurs sélections. Vous voyez un peu, on fait plusieurs sélections. Et puis, à son morceau, toute la boîte, il est toute la boîte, toute la boîte a une effervescence. Toute la boîte est en transe. Il est fier, il sait qu'il a fait du bon boulot. Parce que sa musique a touché les cœurs. Sa musique a fait que tout le monde est emballé. Voilà, ça aussi c'est la fierté. Ça c'est la fierté d'un artiste. Président du coupé décalé. Parce que c'est bon. Tu sais chanter, tu fais les mélodies, ok, on va chanter. Généralement, on chante ça à la maison. Oh, on sait que c'est dans les fêtes, dans les boîtes de nuit, dans les anniversaires qu'on sort, qu'on sent combien de fois un morceau cartonne, combien de fois un morceau a pris, comme on le dit en Côte d'Ivoire ici. Et honnêtement, hein, moi, je vous le dis, retenez la date, oui, sur le 30 mai 2020, ce morceau de Safarel là, qui est en train de venir là, pour l'instant, c'est le dollar qui est sur le marché. Ce morceau de Safarel qui est en train de venir là, d'après lui, c'est du puits coupé. Lui, ça lui fait rire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pleuré. Voilà, il dit la pitié actuellement pour beaucoup de personnes. Sûrement, il parle de Ariel Chiné. Bon, j'aime ça. J'aime ce genre de clash-là, que les clashs avec les injures, vidéos interposées. Vous n'êtes pas des vidéos, man, ça c'est notre boulot. Vous voyez un peu, ça c'est notre boulot. Donc, laissez-nous faire notre boulot, vous chantez. C'est tout ce qu'on vous demande. Donc, chers fans de Safari Le Bien, soutenez vraiment aussi vos artistes. Voilà, les fans d'Ariel Chiné, évitez de les mettre en palabre avec ces commentaires désobligeants. Demandez-leur de travailler, de travailler vraiment, de nous apporter du lourd, de nous faire danser. C'est ce dont on a besoin. Le Kouman Chama, on n'en est pas dedans. Voilà, on n'est pas dans cette affaire de Kouman Chama. Donc, Ariel Chiné, tu as écouté le beat, hein? Tu as écouté le beat. Ah, c'est passé. Voilà, nous, on vous regarde seulement. Donc, Safarel, faut faire vite. Voilà, on attend la sortie. Parce que toi, on sait que tu n'as pas de temps. Quand tu commences à démarrer, c'est vite, vite. Ciao, ciao.